Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va reprendre là où je m'étais arrêté hier avec mes barres de fixation de bardage et on va finir les portes, comme ça madame pourra les peindre et moi je couperai le bardage qui va dedans. Voilà, les soudures sur le local poubelle sont terminées. Un peu de nettoyage. Va falloir pelleter ça, ça va être génial. Et ensuite, peinture bardage. Faut encore que je perce la dalle pour caler ça. Mais on a maintenant un bâtiment complet. Et la peinture, c'est pas mon problème. Enfin, c'est mon problème, mais pas directement. Voilà. Ce que je viens de commencer à souder, c'était un tout petit bout de la structure intérieure du local poubelle, du range-bûche, pardon. Mais comme vous l'avez peut-être vu ou pas, non, je ne l'ai pas filmé. Je viens de terminer la bobine de fil. C'est les platines du portail qui en ont consommé énormément, plus les portes, plus un million de petites choses. Donc, heureusement, j'en ai qui arrivent en commande, mais il n'est pas encore arrivé. Donc, je vais passer à autre chose. Voilà, 28 planches de découpé. C'est allé beaucoup plus vite que les fois précédentes. Parce que d'abord, je pouvais en faire plus dans une planche par planche de coffrage. Donc, je passais moins de temps à les déplacer. Et surtout, je me suis fait ce petit arrêtoir que j'ai mesuré tout proprement. Ce qui m'a permis de ne pas avoir à mesurer à chaque fois. Les quelques fois où j'ai mesuré, c'est pour vérifier que ça n'avait pas bougé. Et ça n'a bougé qu'une seule fois. Donc, plus de fil de soudure. Toutes les planches de bardage sont maintenant entièrement découpées. Les portes sont finies. Il manque les serrures. Mais enfin, ça, il faut encore que on prenne une décision et qu'on trouve la bonne serrure, les bonnes serrures, puisqu'il en faut deux. J'ai commencé la structure intérieure du range-bûche. Ça, c'est le reste de la structure intérieure. C'est divisé en trois sections de part et d'autre de l'entrée. Pour retenir le bois, pour pas que ça fasse un énorme tas de bois qui soit impossible à descendre facilement ou à ranger facilement. Donc on va voir. Rassurez-vous, j'ai encore des projets pour demain. Madame va peindre le local poubelle, donc mettons après-demain, on pourra fixer le bardage et en avoir fini avec celui-là.
Demain, je pense que ce sera mortier et probablement des gonds pour un volet en acier et scellement chimique peut-être, mais plus probablement quand j'aurai enfin trouvé les tiges filetées, parce qu'il y avait rupture de stock, pour faire en même temps avec la même cartouche de scellement sans qu'elle sèche, sans que ce soit un problème, le portail et les gonds de la porte susmentionnée. Donc voilà, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose, mais j'ai abattu des heures de bricolage. Merci d'avoir regardé la vidéo et la suite bientôt.